Ce passage de Brahms est un exemple parfait de ce que la musique représente, la beauté à l'état pur, la magie de la beauté plus exactement. La musique peut nous faire parvenir à un état de nirvana, un état de bonheur, et que recherchons-nous après tout? Nous recherchons tous le bonheur. Nous n'avons pas besoin de drogue pour ça. La musique est le meilleur moyen. Pourquoi sommes-nous attirés tant par la beauté? Moi je pense que la beauté est ce qu'il y a de plus proche du spirituel. N'est-ce pas? L'esprit pourrait être défini comme quelque chose qui peut créer la matière, l'énergie, l'espace, le temps, qui n'a pas de longueur d'onde. Les émotions auraient une longueur d'onde plus ou moins grossière, mais l'esthétique, la beauté, aurait certainement, je suis convaincu que l'esthétique, que la beauté a une longueur d'onde tellement fine, que c'est presque de la non-longueur d'onde. C'est ce qui est le plus proche de l'esprit. Et c'est pour ça que nous avons tous faim de beauté. Parce que ça nous rapproche le plus de l'esprit, du spirituel. Chopin. Mais la beauté d'une musique, après tout, c'est comme la beauté d'une œuvre picturale ou la beauté d'une femme. Debussy, la fille aux cheveux de lin. De lune. Ça, c'est un exemple parfait de cette longueur d'onde de l'esthétique, tellement fine que c'est presque rien.
l'art de la transcription. Ça, c'est une histoire ancienne. Une histoire ancienne parce que quand j'étais tout petit, quand j'avais 3-4 ans, j'écoutais beaucoup des œuvres orchestrales avant d'écouter du piano. Par exemple, je me souviens la marche slave de Tchaïkovski. Également, j'écoutais beaucoup la symphonie pastorale de Beethoven. Alors, j'ai toujours eu envie de jouer ces œuvres au piano, mais elles n'étaient pas écrites pour le piano. Alors, vous imaginez ma fascination lorsque je suis tombé sur les transcriptions de Liszt. Par Liszt a transcrit les 9 symphonies de Beethoven, il a transcrit beaucoup de Lieder de Schubert, des extraits d'opéra italiens, Wagner, etc. La transcription, au départ, surtout au 19e siècle, avait été faite pour populariser les œuvres orchestrales et les opéras. Il n'y avait pas à l'époque la radio, il n'y avait pas le laser, il n'y avait pas la télévision, etc. Et on jouait beaucoup à la maison, à 4 mains, ou à 6 mains, ou à 2 mains, des symphonies de Haydn, de Mozart, Beethoven, qui étaient donc réduites. Donc au départ, c'était un travail de popularisation d'œuvres symphoniques. Mais ce qui m'a fasciné dans les transcriptions de Liszt, c'est que quand par exemple Liszt a transcrit une symphonie de Beethoven, il en a fait une véritable supersonate, c'est-à-dire il en a fait quelque chose, une œuvre pianistique à part entière. On oublie ce travail de vulgarisation et de popularisation et on arrive à un véritable chef-d'œuvre pianistique. Alors il y a aussi le défi, challenge, le défi qui m'a toujours un petit peu stimulé, comment recréer au piano avec deux mains tout un orchestre. Mais Liszt n'a pas été le premier. Le premier, je crois, c'était Johann Sebastian Bach. Vous savez que Bach a transcrit des concertos de Vivaldi, de Marcello, de Telemann. Par exemple, le célèbre concerto pour hautbois de Marcello, deuxième mouvement. Majeur de Vivaldi. Je crois que c'est un extrait de l'Estro Armonico. Et depuis Bach, il y en a eu d'autres, évidemment, jusqu'à Liszt. Même Beethoven a écrit une version pour piano de son concerto pour violon. Quant au thème qui a été utilisé plus tard dans le final de la symphonie héroïque, que tout le monde connaît, avait été déjà utilisé avant par Beethoven dans ses fameuses variations héroïques, et je crois même aussi dans les créatures de Prométhée. Et puis nous arrivons à Franz Liszt. Alors Franz Liszt, c'est un petit peu le roi Midas. Le roi Midas, tout ce qu'il touche devient de l'or. Liszt prend des Lieder de Schubert, des opéras de Verdi, Bellini, Donizetti, Faust, Wagner, des symphonies de Beethoven, et il en fait de véritables joyaux pianistiques. Quand on regarde de très près ces partitions de Liszt, on peut se rendre compte très facilement des aptitudes phénoménales de compréhension qu'avait donc Franz Liszt. Quand j'ai commencé à effectuer ces enregistrements des 9 symphonies transcrites par Liszt, les 9 symphonies de Beethoven, je me suis vraiment mis au travail de façon passionnée, pour ne pas dire fanatique, parce que c'était tellement
extraordinaire, c'était un tout nouvel univers pour moi, de pénétrer en même temps le génie de Beethoven et le génie de Liszt. Et je me suis rendu compte à quel point Liszt était génial, parce qu'il avait justement compris à 200% l'esprit de Beethoven. Il n'a pas fait de simple paraphrase, comme il l'a fait pour d'autres compositeurs, mais une traduction la plus fidèle possible. Cependant, il m'a semblé que ça et là, malgré ce travail extraordinaire, il m'a semblé que ça et là, on pouvait rajouter quelques instruments qui manquaient, ou bien changer quelques formules pianistiques pour se rapprocher encore plus de l'authenticité de Beethoven. Quelques exemples. Dans la 4e symphonie, le final, vous avez un passage où les violons font ceci. Alors Liszt a fait ça de deux façons. Nous avons la possibilité entre la façon numéro 1 qui est... ou bien... Bon, ça c'est très très bien, mais quand les violons jouent ce passage, vous avez la percussion qui fait ça. Et les violons jouent ceci en octave. Alors comment faire tout ça? Et se sont posés là des problèmes physiologiques que je ne connaissais pas dans le répertoire traditionnel du piano, parce qu'il n'y a pas une seule œuvre pianistique originale dans laquelle vous devez jouer des octaves à ce tempo. Même chose dans la symphonie héroïque, dans le scherzo, nous avons ce passage. La flûte double à l'octave en haut. Ça manque malheureusement chez Liszt. Alors la seule solution, c'est de le faire comme ça. Ou bien dans le final, il y a un autre passage. Il y a une mesure. Liszt l'a écrit de cette façon. Mais il faut une troisième main pour faire cet instrument en plus. Donc, au lieu de faire ça, nous faisons ceci. Après Liszt, il y a eu d'autres grands transcripteurs, des très grands pianistes de l'époque, Friedman, Godowski par exemple. Godowski qui a si bien compris Saint-Saëns dans le cygne, vous savez le célèbre cygne. Il a eu le génie, Godowski, de le transposer de sol majeur à sol bémol majeur, qui est une tonalité beaucoup plus liquide. Et ça donne ceci. Qui était un très grand pianiste, qui était un bon compositeur, mais surtout un transcripteur génial. Thank you.
juin 1988, j'ai eu le grand honneur d'être invité par le président de la République fédérale allemande, Dr. Richard von Weizsäcker, à donner un récital commémorant le 25e anniversaire du traité de coopération signé entre la France et l'Allemagne. Et j'avais pensé à cette occasion essayer de mettre ensemble le Deutschlandlied, la Marseillaise, avec des motifs de la 9e symphonie de Beethoven. La 9e symphonie de Beethoven, qui est une œuvre universelle que tout le monde connaît, le début symbolisant la création, dans sa plus belle expression, du néant, quelque chose va se faire, va se créer de très important pour l'humanité, et c'est ce que vous avez entendu au début. Se construit petit à petit en symbolisant justement cette construction européenne qui se fait fondamentalement sur l'axe franco-allemand. Alors, ça a été un véritable casse-tête chinois de pouvoir mettre ensemble ces trois œuvres sur le plan harmonique, et nous avons une mesure, la mesure 44 et 45, dans laquelle nous avons l'ode à la joie, le final de la 9e de Beethoven, adopté par la communauté européenne comme hymne de l'Europe. Avec le Deutschlandlied. Et la Marseillaise. Joseph Haydn, qui était le compositeur du Deutschlandlied, comme vous le savez, était un contemporain de Rouget de Lisle, le compositeur de la Marseillaise. Thank you.
que Ravel aimait beaucoup Chopin, mais c'était un grand admirateur de Mozart. En fait, Ravel était un classique. Il avait le sens de la clarté, le sens de l'harmonie, et tout chez lui s'harmonisait. Vous savez, un jour, il devait partir en train avec des amis, et il est arrivé au dernier moment, ses amis s'étaient paniqués, parce qu'il est arrivé juste au dernier moment, et il leur dit, excusez-moi, mais je me suis rendu compte, juste avant mon départ, que la couleur de mes chaussettes ne s'harmonisait pas avec mon veston. Voilà un aspect de Ravel très important. Cette sensibilité contenue de Ravel, qui le rapprochait tellement des classiques, plus que des romantiques, cette apparente froideur qu'il avait, soi-disant, cette réserve, font peut-être que Ravel, je ne sais pas, c'est peut-être une explication, pourquoi Ravel n'aimait pas trop ou méprisait d'une certaine façon la pavane pour une infante défunte. Est-ce que par hasard, dans cette pavane pour une infante défunte, Ravel s'est laissé aller un petit peu plus que ce qu'il ne le souhaitait? Est-ce qu'il a laissé un aspect de lui-même, une face cachée, se dévoiler, ce côté rêveur sentimental? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, le grand pianiste espagnol Ricardo Viñes, qui était un interprète incomparable de la musique de Debussy et Ravel, et un grand ami de Ravel et Debussy, nous rapporte qu'un jour, il se trouvait avec Ravel dans une salle de concert, ils assistaient à Tristan, une représentation de Tristan et Isolde, de Richard Wagner, et pendant le Liebestod, d'un coup, la main de Ravel sur son bras, qui le serrait très fort, il se retourne vers Ravel et il voit Ravel en larmes. Et Ravel lui dit, chaque fois que j'écoute la mort d'Isolde, le Liebestod, je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Donc c'était un être extrêmement sensible.
Évidemment, Ravel a également des caractéristiques de la musique française que nous retrouvons chez d'autres grands compositeurs français comme Debussy ou Fauré. La clarté, la transparence, la légèreté, les couleurs vives. À croire que nous parlons plus de peinture que de musique. Et justement, c'est ça, je pense, une tendance, je dis bien une tendance parce qu'on ne peut pas généraliser à 100%, mais une tendance très prononcée de la musique française. C'est que justement, le compositeur français, qui est un grand miniaturiste, saisit l'insaisissable. Il fixe sur son papier à musique une image fugitive. Alors là, est-ce que ce concept de profondeur, entre guillemets, de la musique allemande et de superficialité, entre guillemets, de la musique française, est-ce que ces deux concepts ne sont pas des critères, des concepts relatifs? Est-ce que la peinture impressionniste est inférieure à la peinture flamande? Je n'en suis pas si convaincu. Nous avons chez les Allemands une exception avec Robert Schumann, qui était également un miniaturiste de génie, qui aimait donner un titre évocateur à une œuvre musicale dans les Kinderszenen ou dans les Waldszenen, ou dans le carnaval, vous avez tous ces titres. Bon, par exemple, dans les Kinderszenen, l'enfant s'endort. Mais on ne sait pas si cet enfant s'endort dans son berceau ou dans les bras de sa maman. Chez Debussy, la Puerta del Vino, c'est la Puerta del Vino. Debussy traduit musicalement ce qu'il a vu sur cette carte postale qu'il a reçue justement du fameux Ricardo Vignes. La Puerta del Vino et pas une autre porte. Donc il y a une précision supplémentaire. Schumann, qui est un compositeur extraordinairement génial évidemment, fixe une émotion directement. Debussy ou Ravel fixe une image visuelle qui, à son tour, inspire chez vous, l'auditeur, une émotion. Par opposition à la rapidité du compositeur français, nous avons le musicien allemand, le compositeur allemand, qui, lui, prend plus son temps pour construire ses architectures magnifiques, sublimes. Et un exemple de cette extraordinaire musique allemande, je pense tout à fait parfait, est la sonate opus 5 de Brahms, qui est en fait la dernière sonate de Brahms. Vous vous rendez compte, Brahms a composé 3 sonates, et cette troisième sonate, donc opus 5, il l'a composée quand il avait à peine 20 ans. Il l'a terminée en 1853, je crois, à l'époque où il avait fait la connaissance de Robert et Clara Schumann. Et pour moi, c'est une œuvre noble dans l'expression, dans la définition la plus parfaite du mot noble, c'est-à-dire beaucoup de courage, d'humanité. C'est une œuvre très saine. Brahms est un compositeur extrêmement sain, c'est un romantique viril, toujours efficace. Et nous avons ce lever de rideau extraordinaire en début du premier mouvement, qui me fait toujours penser un petit peu aux trois coups avant une pièce de théâtre.
maintenant, une grande aventure va se passer, l'aventure humaine. Il y a tous les sentiments dans cette émotion, dans cette sonate. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de résignation, comme chez certains autres compositeurs. Une toute petite réminiscence fataliste qui nous rappelle un petit peu la 5e symphonie de Beethoven. À la fin du 4e mouvement, Rückblick, juste avant le final. Et d'ailleurs, ceci se retrouve dans la 2e sonate de Brahms, dans le dernier mouvement. Ou bien même chez Schubert dans la sonate en si bémol, 2e mouvement. Toujours cette obsession beethovenienne. Et même dans un autre opus 5, la sonate de Richard Strauss. L'ombre du maître de Bonne plane toujours. Je crois qu'il y a une petite obsession chez tous les compositeurs, on ne peut pas se débarrasser de Beethoven. Alors cette sonate de Brahms en 5 mouvements comporte ce merveilleux 2e mouvement pour lequel Brahms a apposé en guise d'épigraphe dans sa partition, en début du 2e mouvement, des très beaux vers de Sternau. Der Abend dämmert. Das Mondlicht scheint, da sind zwei Herzen in Liebe vereint und halten sich sellig umfangen. Et nous avons là une des plus belles histoires d'amour de toute la musique. Thank you.
Thank you.
relatos de la vida de los que han ayudado a evolucionar nuestro mundo en especiales del 22. Esta noche con el capítulo Maupassant al cine. Historia verdadera. Canal 22. Imaginación en pantalla.